Un de nos téléspectateurs nous a envoyé la question suivante par email, à savoir comment installer une boîte aux lettres en pierre naturelle. Dans cet épisode de Salut Roger, c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. Nous installons une boîte aux lettres, mais nous en profitons aussi pour coller un nouveau numéro de maison. Lorsque nous achetons la boîte aux lettres, nous trouvons un numéro de maison à installer nous-mêmes. Apportez directement la boîte aux lettres à l'endroit où vous voulez la placer. Cela vous évitera de devoir la redéplacer par la suite. Déballez-la déjà afin de vous assurer qu'elle n'ait subi aucun dommage. Ensuite, vous commencez par mesurer la boîte aux lettres. De cette façon, vous saurez à quel point votre fondation devra être large et donc également sur quelle zone vous aurez besoin de creuser. Ajoutez environ 10 cm de chaque côté afin d'obtenir une base plus solide et que la boîte aux lettres ne tombe pas depuis le rebord. Mais l'emplacement de votre boîte aux lettres se veut également important. Elle doit se situer à la limite de la rue. Avec une pelle et une bêche, vous creusez une cavité. Une fondation de 15 à 20 cm du sol suffit amplement. Le trou a-t-il été creusé? Vous pouvez alors réaliser la fondation. Ici, nous la faisons à l'aide de stabiliser. Mais avant de la poser, il est préférable de bien tasser le fond au préalable. C'est possible avec une dame pour tasser. De cette façon, vous compactez votre base et vous évitez ainsi l'affaissement. Si nécessaire, placez une toile anti-racine pour mieux maintenir le stabilisé en place et aussi éviter les mauvaises herbes. Une boîte aux lettres en pierre naturelle est un élément assez lourd qui va nécessiter une bonne fondation. 15 cm de stabilisé seront sûrement suffisants à supporter cette charge. Nous allons ici utiliser du stabilisé préparé à l'avance, qui est plus facile à utiliser. La dernière chose est de s'assurer d'avoir la bonne quantité d'eau. Le montant exact est indiqué sur l'emballage. Ajoutez d'abord l'eau, puis le mélange de stabilisé. En mettant d'abord l'eau dans la cuve, vous obtiendrez ainsi moins de poussière en versant par la suite le stabilisé dans le bac. Le stabilisé est un mélange de sable et de ciment. Le mélange devient malléable et utilisable grâce à l'eau que vous y ajoutez. De plus, l'eau permet au ciment de durcir. Une fois le ciment solidifié, vous obtenez un lit de stabilisé bien ferme ainsi qu'une fondation stable. Le stabilisé reste également perméable à l'eau. Mélangez bien le tout. Vous pouvez le faire dans une cuve de maçonnerie avec une simple pelle. C'est que pour une si petite quantité, il sera peu utile d'utiliser une bétonnière. Il vous suffit de verser le stabilisé dans le trou et de bien le répartir. Le puits est-il relativement bien rempli? Eh bien, vous tassez alors votre fondation. De cette façon, vous le rendez plus compact et donc beaucoup plus ferme. Après avoir tout bien tassé, appliquez un lit de pose dessus. On lisse cette couche de pose. Pour un petit espace comme celui-ci, vous pouvez le faire en toute sécurité avec votre niveau à bulle. Ensuite, vous constatez immédiatement si la fondation est de niveau. Vous profitez donc déjà d'une bonne base pour mettre à niveau votre boîte aux lettres. Sur la boîte aux lettres, je vais encore placer les chiffres, le numéro de la maison. Mais comme une boîte aux lettres est rarement électrifiée, dans l'obscurité, il se peut qu'on ne voit pas les numéros. En utilisant des numéros qui réfléchissent et qui brillent dans la nuit, ce problème est maintenant résolu. C'est que votre numéro de rue doit être en effet obligatoirement lisible depuis la rue, même dans l'obscurité. Si vous ne disposez pas d'un numéro de maison assez éclairé, ceci peut donc être une éventuelle solution.
Nous alignons ensuite les numéros de maison afin qu'ils soient bien au même niveau et aussi bien centrés que possible. Nous avons opté pour des lettres autocollantes, il y a donc moins de risque d'avoir de la colle qui coule. Essayez également de conserver partout la même distance entre chaque chiffre. Une règle ou un crayon peut vous y aider. Placez ensuite la boîte aux lettres sur la fondation. Vous le faites à deux. La boîte aux lettres est lourde, trop lourde pour l'installer seule. Vous pouvez alors immédiatement mettre la boîte aux lettres sur le lit de stabilisé. Étant donné que le lit de pose n'a pas encore été tassé, vous pouvez maintenant ajuster la position de la boîte afin qu'elle soit de niveau. Soyez prudent et utilisez uniquement un marteau en caoutchouc pour positionner correctement la boîte. La boîte aux lettres tient maintenant en place et nous y ajoutons uniquement un autocollant indiquant que nous préférons ne pas recevoir de magazines publicitaires. Notre boîte aux lettres en pierre naturelle est maintenant bien installée et vous êtes informé de ce qu'il faut faire. Si vous aussi avez une question à me poser, vous pouvez me la faire parvenir à l'adresse roger@debit.be et dans un prochain épisode de Salut Roger, nous tenterons d'y répondre. En attendant, si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouvez sur notre site web debit.be sur lequel vous n'oubliez pas de vous enregistrer à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine fois.